Vous êtes là depuis ce matin. Je suis venu vous dire merci. Vous êtes tous venus pour élire un nouveau président pour notre parti. Bon, la décision de justice, on ne discute pas, fait que ça n'aura pas lieu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que candidat, quelle que soit la forme, quelle que soit la date du scrutin, je serai candidat. Merci, président. Voilà. Merci, président. On peut changer la formule, on peut changer la date. Je serai là et je serai candidat. Et ceux parmi vous qui le veulent pourront voter pour moi. Merci, président. Merci, président. Pour vous. PDCI, on est venu te voter. À la victoire. Le président de Côte d'Ivoire. À la victoire. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre calme. Futur président de Côte d'Ivoire. Pour la manière dont vous êtes comporté dans une situation difficile, je vous invite à rester calme. Restez calme. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Merci. Toujours. Ça, c'est notre décision. Comment on réagit à un événement. Il peut toujours y avoir des événements fâcheux, des événements négatifs. En tant qu'être humain, Dieu nous a donné un jugement, un contrôle sur nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on démontre dans cette situation difficile que nous sommes responsables. Le congrès a été reporté. S'il n'était pas venu nous récompenser, mais ça serait qu'un maître que nous allons retourner à la maison. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je vais retourner soulagé. Nous allons l'imposer par tous les moyens. Il a l'impression de faire venir sur votre voile. Aujourd'hui, ils ont gagné. Aujourd'hui, ils ont gagné. Aujourd'hui, ils ont gagné. Mais nous, non, ils n'ont pas le vote. Mais Titi, qu'ils veulent ou pas, Titi sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom de tout. Au nom de tous les militants du PDCI RIA. Voilà. Merci. Une frustration, hein, d'apprendre le jour J que le congrès est annulé. Un congrès qui est prévu et préparé depuis plusieurs mois. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier sait que le PDCI devait tenir son congrès aujourd'hui. Et vraiment, c'est avec beaucoup de surprise et désolation qu'on apprend cette décision-là. J'espère que la sagesse va apprêter les uns et les autres et qu'une solution idoine soit trouvée dans les meilleurs délais, dans l'intérêt supérieur même de la Côte d'Ivoire. Voilà. On a rien à gagner à se déchirer, à se faire par là pour organiser un congrès. Voilà, juste un parti qui veut s'organiser, qui veut mettre en œuvre ses activités. On ne devait pas aboutir à des situations comme ça. Vraiment, c'est de là.